cacciom ad uno figli egizio al vostro re d'intorno. Dai confini d'Etiopia messaggero dianzi giungea gravi novelle re. Piaccia udirlo, il messagger s'avanzi. Il sacro suolo dell'Egitto è invaso dai barbari etiopi. I nostri campi pur devastati, parselle messi, le valli della pace e vittoria, i predatori già marciano su Tebe. Un guerriero indomabile e feroce li conduce, Ammonasro! Datevi in armi e dalle 100 porte sul barbaro invasore prorompera guerra recanto e morte. Se quel ricordo il nostro grido sia mestiere invitte, già designava il condottier supremo, Radames! Radames! Tien grazia ai nostri, coi pavi fatti vorrei. Or di Vulcano al tempio muovio guerrier, le sacre armi ti cingi alla vittoria, vola! Su del sacro lino occorre egizi eroi, d'ogni cor prorompa il grido, guerra e morte, e morte al nostro agnello. Gloria ai nomi, ogni onor a me.
Thank you.
pauvre Aïda. Quelle situation déchirante. Pour qui peut-elle prier? De qui peut-elle souhaiter la victoire? Pour les Éthiopiens, son propre peuple? Leur victoire signifierait la honte et l'humiliation pour Radames. En revanche, prier pour Radames, son bien-aimé, signifierait souhaiter la défaite de son propre peuple. Radames ne sait rien de la souffrance d'Aïda. Dans le temple de Vulcain, il va recevoir du grand prêtre Ramphis le glaive des dieux qui doit le guider et le protéger pendant la bataille. Thank you.
La bataille entre l'Égypte et l'Éthiopie s'est soldée par la victoire de l'armée égyptienne. Plongée dans ses rêves amoureux, la princesse Amneris attend le retour de Radamès. Elle rencontre Aïda. Rongée par la jalousie, Amneris, qui veut s'assurer qu'Aïda est bien sa rivale, annonce à son esclave que le brave officier Radamès a été tué. Le désespoir d'Aïda ne laisse subsister aucun doute. Amneris lui révèle alors triomphalement qu'il est vivant et la met au défi de rivaliser avec une fille de Pharaon. D'abord, tentée de révéler sa haute naissance, Aïda se retient et prie pour obtenir la clémence des dieux.